commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dans presque tous les systèmes scolaires du monde, on enseigne les jeunes sur le grand mystère. Quelle est l'origine du monde? Et presque partout, on raconte la même chose. Le professeur enseigne que petit à petit, pendant des millions et des millions d'années, tout surgit, par hasard. Que l'évolution en est responsable, qu'un laps de temps énorme et que le hasard ont tout réalisé. Cependant, certains professeurs enseignent également une autre version de l'histoire. Ils continuent à considérer que la création de l'univers par un être intelligent extérieur, qu'ils appellent Dieu, reste une possibilité scientifique. Lors de ces émissions, vous allez rencontrer un brillant savant britannique, le professeur Arthur Wilder Smith, qui est un des rares scientifiques du monde à avoir obtenu 3 doctorats. Il a publié plus de 60 livres et articles scientifiques concernant aussi bien le débat « la création contre l'évolution » que la biochimie, qui est son propre domaine scientifique. Cela fait plusieurs années que le professeur Wilder Smith vit en Suisse. Il est un des plus éminents experts européens en ce qui concerne la controverse création-évolution. Regardons le monde autour de nous d'un œil nouveau. Allons en Suisse avec le professeur Wilder Smith et avec d'autres scientifiques hautement qualifiés et examinons les preuves, les réalités de la nature. On utilise 2 modèles principaux pour expliquer l'origine de l'univers, du système solaire, des éléments et de la biologie, tout jusqu'à l'homme. Le premier modèle que l'on utilise, qui s'appelle le modèle créationniste, nous enseigne que c'est Dieu qui a conçu et créé les éléments, l'homme et toute la biologie, et qu'il l'a fait en peu de temps. Ce qui veut dire que la Terre est relativement jeune. Voilà le modèle de la création. Le deuxième modèle s'appelle le modèle évolutionniste et il suppose que les éléments, l'univers, la biologie et l'homme se sont développés lentement, par hasard et de façon spontanée au cours de millions et de millions d'années et que c'est ce principe évolutif qui est à la base de tous les éléments et de toute la biologie. Voilà le modèle de l'évolution. Dans cette série de films, nous allons examiner ces 2 modèles pour voir lequel correspond le mieux aux faits. Mais avant d'approfondir davantage les informations scientifiques ayant rapport à notre sujet, nous devrions peut-être regarder ce que pensaient nos ancêtres du commencement de l'univers. Très tôt dans l'histoire humaine, l'homme a dû être très impressionné par le soleil, la lune et les étoiles. Comme le professeur Wilder Smith le dit, l'homme est fondamentalement religieux. Et s'il a une occasion de voir quelque chose sur quoi il peut fixer sa foi religieuse, il le fera. Aux temps anciens, l'homme regardait les étoiles et la lune, et peut-être, parce qu'il ne les comprenait pas, il en a tiré la conclusion qu'ils étaient en quelque sorte des dieux. Tandis qu'en Mésopotamie, la lune et les étoiles devinrent des objets d'adoration, en Égypte ce fut le soleil qui domina et que l'on adorait en tant que dieu.
Pour les Égyptiens, il était le roi des dieux et le seigneur du monde. Ils croyaient que chaque jour, Ra, le soleil, vainquait le chaos de la nuit, se levait en triomphe de l'océan primitif et dirigeait sa barque de soleil à travers le ciel jusqu'à ce qu'il disparaisse pour illuminer les enfers pendant la nuit. Un vieux cantique bien connu, en l'honneur du dieu égyptien du soleil, Aton, se trouve au musée égyptien du Caire. Il parle du soleil comme étant la source de toute vie. Toi, soleil vivant, à l'origine de la vie, tu es radieux, magnifique, étincelant et élevé au-dessus de toutes les terres. Toi qui suscites le fruit dans la femme, qui crée la semence en l'homme, qui donne la vie à l'enfant dans le ventre de sa mère. On trouve une histoire tout à fait différente dans la Bible, le livre d'un autre peuple ancien du Moyen-Orient, le peuple d'Israël. La Bible dit qu'il n'y a qu'un Dieu, le créateur des cieux et de la terre, et donc aussi le créateur du soleil. Dieu est la source de la lumière et de la vie, et le soleil, la lune et les étoiles ne sont que des porteurs de la lumière et des indicateurs du temps et des saisons. La description que nous trouvons dans la Bible diffère complètement de toutes les autres histoires concernant l'origine du monde. Et comme beaucoup de scientifiques de nos jours le croient, elle est complètement digne de confiance d'un point de vue historique. C'est un récit sobre de la façon dont cette belle terre est apparue. L'Ancien Testament compare le nombre d'étoiles au nombre de grains de sable au bord de la mer. Ce qui est étonnant, c'est que ces mots furent écrits à une époque où les astronomes anciens croyaient connaître plus ou moins exactement le nombre d'étoiles dans le ciel, c'est-à-dire seulement quelques milliers. C'était tout ce qu'ils pouvaient voir à l'œil nu. Comment ceux qui écrivirent la Bible pouvaient-ils savoir que les étoiles étaient littéralement innombrables? Et ceci quelques milliers d'années avant que Galilée ne tournât son premier télescope astronomique vers le ciel en 1609. Galilée fut stupéfait par ce qu'il vit. Aucun homme ne pouvait prétendre donner, ne serait-ce qu'une approximation du nombre exact d'étoiles dans l'univers. Et pourtant, quelques milliers d'années auparavant, la Bible a dit que l'univers était littéralement trop vaste pour être compris par l'homme. Pour nous, qui vivons au XXe siècle, le soleil est une source d'énergie importante. Une source d'énergie dont nous avons absolument besoin. Pourtant, dans notre théorie de l'évolution, tout comme les anciens Égyptiens, nous faisons du soleil l'auteur de la vie. Et comme les Babyloniens de l'ancien temps, il y en a beaucoup qui croient que la position des étoiles peut déterminer leur avenir. L'astrologie et les horoscopes jouent un rôle croissant dans la vie de beaucoup de gens, et ce rôle devient d'autant plus important que les horoscopes ont de plus en plus d'influence sur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Sommes-nous donc plus avancés et plus sophistiqués que les anciennes civilisations? Dans notre XXe siècle, la science et la technologie dominent dans notre vie. Nous avons exploré l'étendue immense de l'espace qui nous entoure. Nous avons atterri sur la Lune et nous avons placé des postes d'observation sur la planète Mars. Même si nos recherches dans l'espace n'en sont qu'à leur début, nos connaissances ont augmenté à grande vitesse depuis quelques années. Mais au fur et à mesure que nous découvrons et élargissons nos connaissances, la réponse devient plus urgente aux questions comme « Comment tout est-il apparu ? D'où venons-nous ? Sommes-nous le produit d'un créateur intelligent ? Ou bien est-ce l'évolution ? Le hasard pur ? Qui est notre véritable père ? » L'objection courante au modèle de la création, c'est que c'est un modèle soi-disant non scientifique. On dit que si vous avancez un dieu pour expliquer l'origine de l'énergie, de la matière et de la vie, alors vous avancez quelque chose qui ne peut pas être testé en laboratoire. Eh bien, il est vrai que nous ne pouvons pas examiner Dieu dans un laboratoire. Mais, même si nous ne pouvons pas le faire, nous pouvons y examiner le modèle de la création. Et ce modèle s'est avéré juste. Parce que si l'homme prend la place d'un créateur, il peut, ou tout au moins il pourra probablement, dans les prochaines années à venir, créer certaines formes simples de vie. Or, le deuxième modèle, le modèle de l'évolution, prétend qu'il n'est pas nécessaire de supposer qu'il y a quelque chose en dehors de la matière et de l'énergie pour créer la vie.
Cette proposition n'est pas scientifique. Nous savons parfaitement bien, malgré tous les efforts de ces dernières années pour prouver le contraire, que si on abandonne la matière à elle-même, elle ne s'organise pas. Ce dont nous avons besoin à chaque fois pour obtenir la vie, c'est qu'un être intelligent, qu'il soit homme ou Dieu, insuffle des informations dans la matière. Alors le deuxième modèle ne s'accorde pas aussi bien avec les faits scientifiques tels que nous les connaissons que le premier modèle, le modèle de la création. Comment se fait-il que le professeur Wilder Smith soit si sûr que l'évolution n'a pas pu se produire? La réponse est simple. Prenons l'exemple des gratte-ciel à New York. Pour fabriquer ces constructions immenses, il faut un plan. Des architectes et des ingénieurs ont effectué des calculs compliqués pour pouvoir les construire de manière à ce que des personnes puissent y habiter et y travailler en parfaite sécurité. Bien sûr, personne ne croit que ces gratte-ciel dureront éternellement. Tout dans la nature obéit à ces lois immuables. Le second principe de la thermodynamique dit qu'à la fin, tout se désintègre et s'effrite. Rien n'est éternel, tout change et le chaos augmente. Cela ne s'applique pas seulement aux choses que nous fabriquons, mais également à la nature elle-même. Les processus chimiques qui soutiennent la vie de notre corps deviennent moins efficaces en vieillissant. Nous connaissons tous ce principe universel. Une montre s'arrête, une voiture est détruite par la rouille. Laissés à eux-mêmes, tous les composés chimiques ont tendance à se désagréger en éléments plus simples, plutôt que de devenir plus complexes. Pour le célèbre évolutionniste Isaac Asimov, cette question d'un chaos qui augmente a servi d'inspiration pour une histoire de science-fiction. De New York, où il a écrit la plupart de ses 200 livres scientifiques et de science-fiction, Asimov nous dit pourquoi tout dans la nature retourne à la fin, au chaos. Le second principe de la thermodynamique énonce que la quantité de travail fournie par l'énergie de l'univers diminue constamment. Si une grande quantité d'énergie puissante est concentrée à un endroit, de manière à avoir une température élevée ici et une température basse là, alors cette situation peut fournir du travail. Plus la différence de température est petite, et moins on obtient de travail. Or, selon le second principe de la thermodynamique, les régions chaudes ont toujours tendance à se refroidir et les régions froides ont toujours tendance à se réchauffer. Et ceci fait que l'on obtient de moins en moins de travail dans cette situation. À retrouver son niveau et non pas à se disperser. Les choses s'acheminent vers le désordre. Il y a un mot, l'entropie, qui trouve sa meilleure définition dans certaines expressions mathématiques, ce qu'utilisent d'ailleurs les physiciens théoriques. Mais si nous laissons de côté les maths, nous pouvons dire que l'entropie est une mesure du degré de désordre dans l'univers. Plus il y a de désordre, et plus l'entropie est grande. Elle est une mesure de l'égalisation de tout dans l'univers. Plus les choses dans l'univers s'équilibrent, plus l'entropie est grande. À la fin, si l'univers dure suffisamment longtemps, il semblerait que l'entropie arrive à son point maximal, tout s'égalise. Tout arrive à un degré de désordre absolu, et il ne peut plus y avoir de changement au-delà de ce point. Plus de travail, plus rien. C'est une espèce de mort. Les scientifiques ne connaissent pas d'exception à ce principe. Et quoique le docteur Asimov ne le reconnaisse pas personnellement, beaucoup de scientifiques croient que ce principe représente un véritable obstacle grave à la théorie de l'évolution, car la théorie de l'évolution suppose que les atomes s'organisent en des groupes de plus en plus complexes et ordonnés. L'évolution énonce que depuis des millions d'années, tout se développe vers le haut, en devenant plus ordonné et plus complexe. Cependant, ce principe scientifique de base, le second principe de la thermodynamique, dit exactement le contraire. En fait, des ensembles complexes et ordonnés ont tendance à devenir plus simples et plus désordonnés avec le passage du temps. Il y a une tendance descendante qui est irréversible partout dans l'univers. Un certain nombre de scientifiques ont fait remarquer que rien que ce principe-ci, s'il est bien compris, est suffisant pour réfuter la théorie de l'évolution. En fait, c'est une des raisons les plus importantes
pour laquelle un certain nombre d'évolutionnistes ont laissé tomber leur théorie en faveur de l'idée d'une création à l'origine. Il y a au moins 23 théories d'évolution différentes concernant l'origine de ne serait-ce que notre système solaire. Pourquoi y en a-t-il tant ? Parce qu'il n'y en a aucune qui corresponde aux faits. Aucune, sauf l'idée que le système a l'air d'avoir été conçu. L'univers n'a pas l'air de quelque chose qui a été formé simplement par une explosion et par des accidents arrivés par hasard. L'univers fonctionne selon des principes exacts et son fonctionnement est ordonné. Plus nous poussons nos recherches, plus nous trouvons des systèmes et des dispositifs ordonnés. Tout ceci serait-il arrivé par accident ? Si nous regardons vers le passé de l'univers, nous trouvons que l'entropie diminue. Cela veut dire que l'inégalité de l'énergie augmente. Autrefois, il y avait plus d'énergie amoncelée à un endroit et moins d'énergie à un autre. À la fin, si nous reculons suffisamment loin dans le temps, nous trouvons l'entropie à son point minimal. Et alors, tout était aussi ordonné que possible. Selon nos impressions actuelles, ce temps-là était l'époque où toute la matière dans l'univers se trouvait dans une seule grande boule et tout y était ordonné et en rang, comme autant de militaires au garde-à-vous. Et ensuite, cette masse a explosé lors du Big Bang il y a 15 milliards d'années. Et dès qu'il y a eu l'explosion, le désordre a commencé et le désordre augmente depuis. C'est comme si on avait commandé à tous les militaires du défilé de quitter les rangs et depuis ce moment-là, ils se dispersent allant où ils veulent. Jusqu'au moment où ils seront dispersés de manière égale sur toute la Terre, et à ce moment-là, l'entropie aura trouvé son point maximal. Un Big Bang peut-il vraiment fournir l'explication d'un univers très complexe et très ordonné tel que nous le connaissons ? Le professeur Harold Schlöcher, astronome. Le Big Bang est une des cosmogonies de cette époque, qui tente d'expliquer l'origine de l'univers et de ce qu'il contient. La théorie du Big Bang soutient qu'à un moment donné, toute la matière et l'énergie de l'univers étaient concentrées dans ce que l'on appelle l'atome primordial, ou l'atome primitif. Les différents astronomes ne sont pas d'accord en ce qui concerne les dimensions de cet atome. Certains disent qu'il était de taille infinie, et d'autres affirment qu'il avait le diamètre du système solaire. Aujourd'hui, l'opinion actuelle dit que l'atome primordial avait la taille d'un électron, ou était même plus petit. Ces personnes soutiennent que toute la matière et l'énergie étaient concentrées dans un objet qui était plus petit que, disons, la pointe d'une épingle, et que cet objet se tenait dans l'espace pendant un laps de temps inconnu. Et, tout d'un coup, il s'est développé une instabilité à l'intérieur, et il a explosé. Et, d'une manière ou d'une autre, cela a formé des galaxies, des groupes de galaxies, des étoiles, et au moins un système planétaire. Si nous regardons l'univers aujourd'hui, nous constatons que lors des explosions, il ne résulte jamais de l'ordre. Les explosions ne produisent que du désordre. Donc, il est normal de poser des questions. Quelles sont les preuves pour une telle théorie ? Après tout, c'est une théorie qui a si peu de ressemblance avec ce que nous voyons. C'est quelque chose qui ne semble suivre aucun des modèles que nous ayons aujourd'hui. Eh bien, une preuve que l'on avance, que l'on appelle l'expansion de l'univers. Lorsque nous regardons la lumière qui provient des galaxies, cette lumière semble avoir un décalage vers le rouge. Pour expliquer ce qu'est un décalage vers le rouge, quand un objet s'éloigne de nous, les longueurs d'onde de la lumière s'allongent, et ainsi se décale vers le côté du spectre où les rayons sont plus longs, c'est-à-dire vers la lumière rouge. On croit que c'est le mouvement d'un objet qui s'éloigne d'un observateur qui crée cet effet. À propos, si un objet, une étoile ou une galaxie avançait vers un observateur, la lumière aurait un décalage vers le côté bleu du spectre. Quand on regarde les galaxies, en ce qui concerne la plupart des galaxies, la lumière semble être décalée vers le rouge. Mais il faut se rappeler que certaines galaxies ont un décalage vers le bleu. Ceci n'a jamais été expliqué.
si on prend comme base un univers qui est en expansion. Mais il est vrai que la plupart des galaxies ont un décalage vers le rouge. On croit que ceci donne la preuve pour un univers en expansion. En ce qui concerne ce décalage vers le rouge, il y a diverses autres explications scientifiques possibles qui sont reconnues et qui ne nécessitent pas une explosion ou une expansion de l'univers. Par exemple, comme l'a prédit Einstein, la gravité, qui est la force d'attraction entre toute la matière dans l'univers, peut provoquer un rougissement de la lumière. En plus, il y a plusieurs raisons pour mettre sérieusement en doute la théorie que l'univers aurait pu être formé par un Big Bang. Ici, sur la Terre, et lors de toutes nos expériences, nous n'observons jamais une explosion qui produit des dispositifs ordonnés. Je suis sûr que vous croiriez une histoire absolument invraisemblable, voire fantastique, si je vous racontais que j'avais vu une de ces montagnes exploser et que suite à cette explosion, les pierres, les poussières et les gaz se sont déposés de manière à former une ville en pierre ayant beaucoup plus d'ordre, de complexité et d'information qu'avait la montagne elle-même. Il me semble qu'il serait impossible d'obtenir d'un Big Bang l'univers réel que nous voyons autour de nous. Non pas quelque objet imaginaire, mais l'univers que nous regardons, un univers complexe, rempli d'informations. Il me semble qu'il est seulement possible d'obtenir un univers complexe qui est rempli d'informations si d'abord une source extérieure crée la matière et l'énergie qui ne surgiront pas spontanément de rien, et ensuite si elle introduit de l'ordre, de la complexité et des informations dans le système. Ainsi, pour créer tout genre de développement ou d'organisation complexe à l'intérieur d'un système clos, il faut de l'énergie et des informations venues de l'extérieur. Les évolutionnistes soutiennent que notre Terre n'est pas du tout un système fermé, mais qu'elle est ouverte par rapport à l'énergie du Soleil, et que ce fut l'énergie des rayons du Soleil, par exemple, qui créa la vie sur notre belle planète. Mais l'énergie est-elle suffisante pour ceci, même lorsqu'il y a un système ouvert ? Il y a un certain nombre de problèmes avec la théorie de l'évolution, en particulier du point de vue de la thermodynamique. Il y a trois principes en thermodynamique. Le second principe énonce que, dans un système clos, la quantité disponible de travail utile diminue. Pour dire ceci d'une autre manière, l'organisation et l'ordre de la matière dans un système clos tendent vers le chaos. Or, il existe des exceptions, ce qui prête à confusion. Si l'on prend, disons, quelque chose de mort, comme une branche qui autrefois poussait et utilisait l'énergie du soleil pour augmenter son ordre, mais qui est morte aujourd'hui, et si j'expose cette branche à la lumière du soleil dans un système ouvert, cette branche se réchauffera. En fait, elle est assez chaude maintenant parce que le soleil chauffe assez bien. Cela veut dire que son organisation est en train de diminuer, que son entropie est en train d'augmenter. Or, ceci se passant dans un système ouvert, pourquoi son organisation ne s'accroît-elle pas? Elle devrait le faire, selon les propositions de l'évolution. Si par contre je prends, non pas une branche morte, mais quelque chose de vivant, comme cette jolie petite orchidée que voici, cette orchidée est en train d'absorber l'énergie du soleil de la même manière que la branche. Mais l'énergie du soleil qui tombe dessus est utilisée par des réactions couplées pour augmenter l'ordre et pour croître. La chlorophylle en est responsable. Mais si je tue cette orchidée, si je l'accueille et la laisse mourir, alors l'énergie du soleil lui tomberait dessus et ensuite elle se réchaufferait et elle serait davantage désorganisée. Quelle est la différence entre la branche qui est morte et l'orchidée qui est vivante? La différence réside dans le fait que l'orchidée a une téléonomie active, selon les termes des scientifiques. C'est une machine qui capte l'énergie pour augmenter l'ordre. Cette machine-ci est morte et elle ne capte pas l'énergie pour diminuer le désordre et augmenter l'ordre. Voilà la différence. D'où vient la téléonomie? La téléonomie
le principe de faire de l'ordre, n'habite pas dans la matière elle-même, mais elle habite dans la vie. Et là où vous avez la vie, vous avez la téléonomie. L'énergie du soleil peut être captée et utilisée pour faire croître la chose, c'est-à-dire pour augmenter son ordre. Moi-même, en tant que scientifique, je dois donc proposer une source d'information pour fournir la téléonomie ou le savoir-faire. Je ne la trouve pas dans cet univers. Et je suppose donc qu'elle se trouve en dehors de cet univers. Et moi, je crois qu'il y a un Dieu vivant qui l'a fait. Je crois que ce Dieu qui a fourni les informations s'est révélé sous la forme d'un homme pour que l'homme puisse le comprendre. Nous sommes faits pour comprendre. Nous sommes homo sapiens. Et si Dieu nous a fait pour que nous puissions comprendre, alors j'ai envie de comprendre. Et je veux comprendre Dieu. Et je peux seulement le faire s'il descend vers moi pour communiquer sur ma longueur d'onde, qui est la longueur d'onde de l'homme. Je crois que Dieu s'est révélé en Christ et que nous pouvons le servir et le connaître dans notre cœur. Il est la source du Logos et de toutes les informations nécessaires pour créer l'univers et la vie elle-même.